le dodo. Vous me connaissez pas? Oh, je le crois pas. Je suis l'oiseau dodo, votre nouveau petit héros. Zorro des écolos, je suis presque le plus beau. Ah bah d'accord, c'est bouché. Va falloir revoir tout le système d'évacuation. Mmh, oh là. Ah bah je vois, oui. Alors, c'est, alors la douche, le lavabo... Oh, Eureka! J'ai trouvé! Voilà. Oh, oh, quoi? Je ne vous causais pas. Oh, excusez, hein, je croyais que vous me causiez. C'est quoi? Cool, ça coule. Oh, je suis le génie de la plomberie. Et si j'en profitais pour faire un vrai ménage? Oui. Oh, très joli, hein. Maintenant, si vous voulez m'excuser, j'ai mieux à faire que d'admirer votre numéro de bulle. Ah, attendez. Écoutez, je fais ma vaisselle. Justement, vous avez branché canalisation sur mon étang. Oui, et alors, où est le problème? Il faut bien que j'évacue mon eau sale. L'étang, c'est là que j'habite. Vous n'allez pas faire une histoire pour un peu de mousse de rien du tout? C'est pas la mousse, c'est le détergent. Vous ignorez que ce produit peut détruire toute vie. Non, c'est marqué que ça tue les microbes et les bactéries. Oh, ça y est, ben voilà, j'ai attrapé votre hoquet. Okay. Bon, ça suffit. Oh, Assyrie. Ah, oh, c'est radical pour faire passer le hoquet. Okay. Vous devriez essayer. Mmh. Ouh, ça va mieux, où en étais-je? Les détergents. Vous ne savez pas qu'il est dangereux d'évacuer ces eaux usées n'importe où? Ben non. Je vous explique. Ah bon? Longtemps, les hommes ont considéré l'eau comme une ressource illimitée. Puis, ils ont découvert qu'au contraire, c'était un bien précieux et un terrible facteur d'inégalité. Des millions de femmes africaines doivent parcourir quotidiennement des dizaines de kilomètres à pied pour se ravitailler à des puits le plus souvent pollués. La civilisation est une terrible dévoreuse d'eau. Plus un pays est riche, plus il produit de déchets. Excréments, détergents, produits d'entretien se mélangent à l'eau. Il faut la purifier dans de vastes usines de retraitement pour la rendre à nouveau potable. Quelle panique! Et encore, la pollution domestique n'est rien à côté de celle du monde industriel. Des décennies durant, les grandes compagnies s'en sont données à cœur joie, recrachant sans complexe leurs eaux sales dans les fleuves, balançant n'importe où leurs résidus chimiques. Tous les déchets non dégradables jetés dans la terre se retrouvent dans l'eau un jour ou l'autre, entraînés par les pluies. L'eau, c'est l'hygiène. L'eau, c'est la vie. Si on n'apprend pas à la préserver, autant dire adieu à notre planète bleue. Oh, moi qui étais si fière de mon installation. Oh, question bricolage, c'était plutôt réussi. Mais ça mettait la nature en danger. Voilà, Loïc. Ça vous reprend? Non, non, ça va. En tout cas, merci de m'avoir appris quelque chose que je ne savais pas. Je vous en prie, il n'y a pas de quoi.